Classée ville d'art et d'histoire, Vitré a conservé intact un patrimoine architectural exceptionnel, souvenir des 15e et 16e siècles, où elle fut une des plus importantes et puissantes cités de Bretagne. Vous profiterez de tous les loisirs qu'offre sa campagne douce et vallonnée, et savourerez sa gastronomie dans ses restaurants et crêperies à l'ambiance chaleureuse. Dès le printemps, des manifestations ouvrent le programme des festivités. Ville frontière entre la France et la Bretagne, Vitré est protégée dès le XIe siècle par un puissant château de pierre, bientôt complété par une enceinte. À partir du XIVe siècle, Vitré se transforme en une cité commerçante des plus florissantes. Les marchands vitréens pratiquent en effet le négoce international des canevas, grosses toiles de chanvre particulièrement recherchées. À l'intérieur de la ville close, ils font édifier maisons à pans de bois et hôtels particuliers de pierre aux riches décors sculptés. Durant la seconde moitié du XIe siècle, le baron Robert de Vitré édifie un château sur l'éperon rocheux dominant la Vilaine. Au XIIIe siècle, André III fait reconstruire la forteresse en lui donnant son plan triangulaire actuel et ceinture la ville d'une enceinte de tours reliées entre elles par des courtines, murs reliant deux tours. À la fin du XIVe et au début du XVe, Guy XII et son épouse Jeanne de Laval-Châtillon modernisent le château qui devient une résidence confortable. Châtelet d'entrée, tour Saint-Laurent, tour de la Madeleine et ses étuves. Et à toutes. Au nom du conseil municipal, bienvenue à Saint-Aubin-des-Landes, notre commune de 900 habitants qui voit sa population doubler le temps d'un week-end. Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir pour la seconde fois. La première fois, souvenez-vous, c'était en 95. Mais pourquoi cette seconde fois? Eh bien, je dois vous dire que l'idée est venue de nos jeunes qui participent tous les ans au rassemblement et quand ils en reviennent, nous disait « Mais quand est-ce qu'on recommence chez nous ?» Amusez-vous, profitez de ces moments et très bonne fête à Saint-Aubin-des-Landes. Bon week-end à tous. Voilà, et bien c'était parfait. C'était parfait. On l'applaudit très fort, on va l'applaudir très fort. Madame le maire de Saint-Aubin-des-Landes. Il y a des gens là qui sont devant moi qui viennent depuis 1990 à Saint-Aubin-de-Cadelèche, d'autres qui viennent depuis moins de temps. Tout le monde est animé par la même foi, par la même joie, le même plaisir de se retrouver tous les ans. On a des candidats pour 2010, on a des candidats pour 2011, on a des candidats pour 2012 et peut-être pour 2013. Oh. Oui, mais 2009 alors.
J'ai le grand plaisir, Yves et Guillaume, de vous remettre cette clé. À Saint-Aubin-le-Monial, on l'a habitué là, pendant un an. Tous les soirs, on lui raconte une petite histoire. Donc si vous pouviez continuer, je suis sûre qu'elle serait contente. Une petite anecdote sur les Saint-Aubin et tout, elle aime beaucoup. Voilà, donc je vous remets la clé. Merci madame, on peut l'applaudir très fort. Voilà. Donc Saint-Aubin-le-Monial, 380 habitants dans l'Allier. Voilà, avec toutes mes félicitations, Yves. Merci beaucoup. Voilà, merci. Guillaume. J'ai le plaisir au nom des 22 délégués de Suisse de vous apporter le salut de la Suisse en vous exprimant notre reconnaissance pour la qualité de cet accueil. Nos amis français, depuis Saint-Aubin-le-Monial, on a un événement qui nous rapproche beaucoup, c'est que vos équipes de foot de France, d'une part, de Suisse, d'autre part, ni l'une ni l'autre n'ont atteint les quarts de finale. Je trouve que c'est un événement rassembleur. Voilà, après la Suisse, la Belgique. Comme Pascal Marty disait tantôt, et on a la confirmation Yves aujourd'hui avec les jeunes, eh bien, j'ai voulu être entouré de deux jeunes de chez nous, de Saint-Aubin, Belgique. Il y en a d'autres assez bien, de jeunes même ici de la Belgique dans l'Assemblée. Mais j'aimais dire qu'on a fait le rassemblement en 2001. Eh bien, on pourrait un jour le refaire, mais grâce aux jeunes qui sont en train de venir. Et je vous demande même d'applaudir et les deux jeunes qui sont là et ceux de Belgique qui sont partout de Saint-Aubin-le-Monial. Merci. Par Saint-Aubin-des-Préaux dans la Manche. Je n'ai pas grand-chose à vous dire sur notre petite commune. On a goudronné toutes nos routes. Le bas des fossés a été farapé. Et maintenant, on va penser au talus. Alors, comment dire à Vitré, on va les pleurs, les talus. Bon, alors voilà. J'ai promis à quelqu'un de Saint-Aubin-Châteauneuf de lire ce petit mot qui est très court. À monsieur et madame Potier vous adresse toute leur sympathie, leurs bons souvenirs passés parmi vous lors de votre exposition des cucurbitacées. Alors, madame le maire, je vais vous offrir un objet insolite. Voilà un cucurbitacé. Vous faites attention, c'est très fragile. Mais je vais quand même vous dire que le cucurbitacé a un certain rapprochement avec l'humain. Après quelques mois de séchage, le gougourdon est complètement déshydraté. Il est léger, très solide et imputrescible. Alors madame, je lui souhaite un bon séjour dans votre commune. Et merci de votre accueil. Merci monsieur, on peut l'applaudir très fort. Saint-Aubin-des-Bois, en Eure-et-Loire. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un village de à peu près 1000 habitants qui se situe à 10 km et où on a de Chartres et où on a une très belle cathédrale mondialement connue. Alors Saint-Aubin-Châteauneuf, c'est un village de 500 habitants situé dans l'Yonne, à la limite entre la Bourgogne et la Champagne. Vous voyez, deux terroirs très intéressants. Ben, nous représentons la commune de Saint-Aubin-le-Vertueux qui se trouve en Haute-Normandie, parce que chez nous, il y a la Haute et la Basse. Nous sommes donc dans le département 27, donc une commune de 800 habitants sur une superficie de 1512 hectares. Saint-Aubin-de-Blaye, c'est Saint-Aubin-Charlot, ça va puisqu'il n'y a pas de protocole. Bonsoir. Alors, Saint-Aubin-du-Bavail, petite commune toute proche de 600 habitants, 750 habitants. Alors, Saint-Aubin-Xelon, alors je voudrais d'abord féliciter et remercier Yves, un vieil ami de longue date. Saint-Aubin-des-Châteaux, commune de 1500 habitants. Saint-Aubin-Routeau, je représente la commune et on est situé en Seine-Maritime, à côté du pont, à 10 km du pont de Normandie. Alors Saint-Aubin-d'Arpliers, une petite commune de près de 400 habitants, située dans le département de l'Orne, entre Alençon et Mortagne-au-Perche. Voilà, applaudissements, s'il vous plaît, pour ce logo des Saint-Aubin d'Europe. Chimie, c'est ça ? Oui.
C'est toi qui mène la barque. Je veux que tu me
vous, le représentant officiel, messieurs et madame notre maire, et puis vous tous aussi, je crois, d'environ Saint-Aubin, qui venez là un petit peu pour... Et la fête au soleil, je prie pour nous.
salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Antoine.
Saint-Aubin, ça. Saint-Aubin, la fiche, elle est où? Vous êtes le président ? Vous avez vu notre président tout seul qui avance pour un. Non, mais il y a deux mots derrière. Monsieur, il est bis. Eh, ça a bis, c'est qui ça ? Vous pouvez zoomer sur sa tâche de main. Ah, pas de rouge, non ? Non, non, c'est bon, merci. Ouais. C'est pour vous qui avez perdu ça, cher. Il fallait qu'on compte le nombre d'heures pendant une année, c'est Oh!